Le mois d'octobre. Oui, mois d'octobre, je vais déclarer ce mois le mois des Lumières. Oui, parce qu'on a pas mal de titres qui ont ce sujet en rapport dans The Big Game of Ski, étrangement. Vous attendez sûrement impatiemment les sessions sur The Light Keeps Safe. Et en attendant, bah, on va se faire un autre titre qui s'appelle The Sojourn, qui est sorti cet été. Quand on regarde des vidéos, on sait pas trop de quoi ça parle. On a l'impression que c'est un jeu vraiment très casu. Et puis, en regardant de plus près le titre, on se rend compte qu'en fait, c'est un autre thème qui est abordé. Oui, parce qu'en fait, The Sojourn, ça n'est rien d'autre qu'un jeu de casse-tête, tout simplement. Tu fais voir ton petit cover, bonhomme, ce serait sympa. Oh, c'est beau! Alors oui, ça manque pas d'être beau en fait, hein, vous allez vite le constater. Et du coup, c'est assez rigolo puisqu'on est vraiment dans un jeu de casse-tête, hein, c'est pas d'exploration, qui est relativement charmant par son ambiance. Ceci dit, son gameplay, on va l'explorer ensemble et vous allez voir que c'est peut-être pas aussi enthousiasmant que tout ce qui nous est mis sous l'œil pour l'instant. On y go. Oui, alors, ambiance apaisée, hein. Va falloir être calme quand même pour réfléchir et bien comprendre les mécaniques du jeu qui sont pas très compliquées mais qu'il faut assimiler assez rapidement pour pouvoir s'en sortir. Let's go, amigo! Oui, j'aime faire les silences dramatiques. Alors, ce qu'on va faire, les amis, on va tout de suite vérifier un truc dans la résolution, puisque j'avais descendu le jeu en 1280 et je crois qu'il s'est remis en QHD. Et ça explique pourquoi vous avez une animation avec un framerate qui est pas GGN. Est-ce qu'on peut regarder là? Option. Je suis sur 1280. J'ai du mal à le croire. D'ailleurs, un petit bug. Bon, admettons, The Marmot. De toute manière, c'est pas un jeu d'action, donc c'est pas grave. Donc, protocole habituel. Chez vous, le jeu tournera beaucoup mieux que chez moi. Oui, on va organiser un marathon associatif pour renouveler ma machine. Ceci dit, le problème n'étant pas que j'ai pas les moyens de renouveler cette machine, c'est que c'est surtout pas le bon moment en fait pour le faire. Il n'y a aucune offre intéressante pour renouveler une machine qui durerait encore 10 ans. Oui. Je découvre, hein, donc on va y aller calmos. Alors,
j'avoue que la première fois que j'ai lancé le jeu, j'ai été très très inquiet parce que je me suis dit, si c'est tout un jeu où il faut suivre des lumières, il va y avoir un problème, les gars. D'ailleurs, j'avais foutu les clés de la bagnole dans ce pot la première partie, non? Aïe, aïe. Oui, bah, le début est étrangement vide, on va dire. Alors peut-être c'est comme 2001, avec ces 2 minutes d'intro silencieuse, c'est pour vous mettre dans le mood. Donc là, on va vous expliquer les bases du gameplay. Puisqu'en fait, ce que vous voyez là, c'est pas forcément la vraie topographie qui est à votre disposition, puisque vous pouvez basculer dans un autre, une autre version de ce présent. Alors, l'intérêt de basculer dans cette version du présent, bah, c'est tout simplement que ça va pouvoir vous révéler différentes façons de passer à des endroits où vous ne pouvez pas passer régulièrement. D'accord? Et en fait, le fonctionnement est simple. Il y a une petite barre qui correspond en fait à vos déplacements. Pas au temps, hein. Il y a un peu de temps puisque votre personnage drifte toujours un petit peu, j'ai remarqué. Mais c'est négligeable. C'est surtout, chaque fois que j'avance, voilà, j'entame. Donc en fait, c'est un jeu de pions qu'on a quasiment. Ça veut dire que, hop, une fois que je me suis déplacé trop loin, tous les trucs qui étaient apparus disparaissent. Bon, là, il n'y a rien de spécifique, mais vous saisissez l'idée déjà. Oui, c'était grand plan et vous est offert totalement gratuitement. Et il va rester blanc le temps du message. On y va, découverte. On est en plein dedans, ça tombe bien. Alors, c'est très rigolo tous les effets qui sont utilisés quand même. C'est très tendance en ce moment d'aller piocher chez les demo makers des petits effets de bon goût pour en mettre plein la vue. Et du coup, c'est vraiment chouette. Ça met une belle ambiance. Mais. Maintenant, on va réellement plonger dans le gameplay. Je crois que j'ai encore ma voisine du dessus qui se bat avec son aspiro. J'adorerais pouvoir filmer ça un jour. Mon fantasme. Les matchs de catch d'une jeune étudiante avec son aspirateur. Donc voilà, là on vous l'explique clairement. Mais il n'y a pas de sol, papy. Papy, il n'y a pas de sol. Oui, c'est mon syndrome Golden Child qui me reprend. Et donc, bah, pour faire apparaître le sol, parfois, il vous sera utile quand même de vous mettre dans ces zones. Mais je vous rappelle que maintenant, tous mes déplacements sont comptés. Donc, j'ai l'option soit je trace, soit il va falloir que je fasse d'autres actions à des moments. Donc là, j'ai du bol, c'est le démarrage, je trace. Vous avez vu ça, si je suis super focus aujourd'hui? Bah, ça, c'est un jeu qu'il faut pas faire après l'apéro, hein, c'est clair. Alors, j'ai des statues. Mais les statues, je ne peux m'en servir que quand elles sont éveillées. C'est-à-dire que bah, je les vois dans le deuxième monde, quoi.
Hop là. Et voilà. C'était pas si compliqué, les amis. Alors oui, on est en mode tuto. Il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel pour l'instant. Et vous allez voir que ça va rapidement se corser, en fait. Et du coup, dans votre esprit, il sera vital vraiment d'avoir un esprit très cartésien et où c'est vraiment un jeu de pions. Faut penser le jeu comme ça, un jeu de pions. Vous avez beau vous déplacer comme vous voulez, matérialiser vos tableaux comme des échiquiers, quoi. C'est pas forcément génial. Oh là là, je crois que l'aspirateur de la voisine est en train de gagner. Donc là, toute logique, j'aurai jamais assez d'unités pour traverser toute la longueur. Donc l'idée, c'est en étant là, je me téléporte à la place de la pièce. J'aurai à nouveau la barre de déplacement pleine à ras les taquets. Et du coup, là, je pourrais effectivement faire mon déplacement. Sans problème, sur cette jolie passerelle temporaire. Oui, j'ai décidé d'être super pédagogique aujourd'hui dans l'explication du jeu. Je me suis dit, bah, essaye de faire un stream sans déconner pour effrayer les gens, vraiment, qu'ils aient peur, quoi. En fait, c'est surtout que j'ai eu un peu de mal à saisir au début le jeu, si on est honnête. J'ai une statue quelque part, elle est où? Hop, pardon, bonjour madame. Échanger. Alors, ça veut dire si j'échange avec toi, je te mets là-bas. J'ai pas beaucoup d'intérêt. Si je veux passer là, par contre, il faudrait que je te mette là. Donc, ce qu'on va faire, cocotte, dans un premier temps, hein, je vais même me mettre ici, rien. Je pourrais même me mettre là. Bon, on s'en fout, quoi. De toute façon, je vais faire de la merde. Comment ça, je spoil? Pas du tout. Vous racontez vraiment des âneries. Maintenant, l'idée, ça serait que je la... là-bas. Mais pour la... là-bas, faut que je passe déjà là. Et pour passer là, il serait très très malin que je m'y ronde. Là, c'est bien sûr, l'escalier va vautrer quand je vais passer dessus, vu que j'aurai pas assez d'unités de déplacement. Donc, hop, statue ici. Et maintenant qu'elle est ici, je vais pouvoir échanger, passer là. Et une fois que je suis là, je vais être baisé pour le deuxième escalier, puisque j'aurai jamais assez d'unités pour aller là-haut. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Une fois que je serai là, il va falloir que je retéléporte l'engin. Petit à petit. Je pense que c'est la meilleure technique. Hop. Donc je vais là. Je me fais zibber la moitié de ma barre. Je viens ici. Échanger à nouveau. Faut pas être pressé hein, dans ce jeu, c'est une évidence. Et là, je repars avec une barre au taquet, les gars. Yeah. Voilà. Alors ça, c'est nouveau, ça. Qu'est-ce que tu vas vouloir faire, mon coco? Ah, j'ai un portail cette fois. Ok, admettons, The Marmotte, tout ça, patin couffin. Tant qu'il y a une statue sur la plateforme. Ok, donc ça veut dire que pour ouvrir le portail, il faut que je prenne ça, que je le foute là-bas. Donc pour que je le prenne ça, bah, il faut qu'il vienne à ma place. Quoique pas obligatoirement. Je vais essayer un truc hein, pour voir. Hop. Non, je me suis auto-fuck, je crois. C'est un nouveau terme technique. Ceci dit, je me suis avancé parce que quand je vais me retéléporter sur ce truc, je vais être à sa place. Et là, je serai plus prêt pour aller dans le schnurz. C'est ça, hein, le schnurz.
Et une fois dans le schnurz, hop, je suis bien dedans là. Ouais. Shazam. The portail est ouvert et j'ai de l'énergie pour traverser. Et tout va bien. Donc jusque là, c'est pas ultra compliqué. Mais vous sentez bien que le jeu va commencer à monter en pression. Et puis essayez de vous vriller un peu le cerveau en vous présentant les choses d'une manière qui est pas forcément la plus visible. Alors, j'ai un portail quelque part vu qu'il y a ça. Ok. Le portail, il est là-bas. On fait un tour pour rien, hein. Au moins ça permet de s'illustrer concrètement le truc. J'ai un escalier là, mais le temps que j'y arrive. In my... Voilà. Donc l'idée, c'est de prendre cette fragging statue. La foutre là-bas dessous. Ceci dit, une fois qu'elle sera là-bas dessous, elle va m'ouvrir le portail. Mais c'est pas pour autant qu'elle va m'arranger l'escalier. Donc la bonne idée, ça serait que je la foute par là. Non. Je sais pas, je réfléchis en même temps. On va faire ça. On va voir. Puis si c'est pas bon, c'est pas bon, ça arrive. Là. Switch. Et une fois que je suis là, est-ce que je peux aller jusque là-bas? Oui. Et une fois que je suis là-dedans. Hop. Switch. Herbe. J'ai oublié un détail. J'ai oublié un détail très important, c'est que je me suis pas rechargé en énergie noire, là, je sais pas comment ils appellent ça. Donc du coup, je me suis fait zibber le passage. Donc je dois être près de la soluce, mais je l'ai pas saisi. Si je reprends ma truc là. Faut que j'aille là-haut et une fois là-haut, je le balance là-dessous. Mais je peux pas être là-haut et là-dessous. C'est pas très logique. Je dois mal m'y prendre. Alors, il y a des gens qui doivent regarder le stream et qui doivent se marrer parce qu'ils ont pigé du premier coup le truc. Ouais, je vous assure que... It's not possible. I can't pige from the premier coup, quoi. It's not working like this. Qu'est-ce que j'ai pas compris, merde. J'ai pas fait apéro pourtant. Logiquement, il y a un truc tout con à faire, mais j'arrive pas à le décoder. Ça, je vais être zibé. Il faut que je sois plein d'énergie quand je suis là. Pour être plein d'énergie, je fais comment déjà? Il y avait un système tout à l'heure. Eh ben, j'échange avec ça. Ok. Donc en fait, quand t'es là-bas, tu rééchanges et ça marche. On va la faire comme ça. C'est quand même bizarre. Je vais me faire niquer mon énergie. Je le sens bien. Oui, c'est bien ça. Donc ça va pas du tout ça. Donc quand t'es là. Quand t'es là, tu vas là-bas. Arrêtez de rigoler. Heureusement que j'ai pas le chat. Et que c'est un enregistrement, parce que je suis sûr que je me ferais troller, mais de la mort déjà. Si je m'échange ça avec ça, je suis toujours plein d'énergie, je peux monter là-haut. On va faire ça. Toc. On va le faire comme ça, c'est fait. Après, je serai coincé par peut-être le fait que j'ai plus d'énergie pour... Je peux peut-être pas... Bon, ben on va rester sur ce tableau, les amis. Parce que j'arrive pas du tout à le piger, c'est pas le bon jour pour me faire faire de la logique. Ceci dit, vous avez remarqué que c'est tout con, et vous avez terminé le jeu. Ok, génial. Bah, vous me raconterez la fin, parce que je suis pas prêt de l'avoir, moi, perso. Enfin, pas avec ce mood aujourd'hui. Et pourquoi j'arrive pas, le logo? Attention. Bon, en fait, faut multiplier les coups pour rien pour arriver dans ce jeu, je crois. On va essayer ça. Shazam! Et une fois que je suis là-haut, je peux le mettre dans la cage. Oui, monsieur K a fini par arriver à faire fonctionner logiquement son dernier neurone. Ça arrive parfois. Et je me casse.
C'est là qu'il y a un grand vide, ce serait très drôle. Donc vous avez vu que le jeu, il n'est pas super compliqué. Si vous avez un esprit cartésien, il va limite vous faire marrer. Et puis si comme moi, des fois, vous n'êtes pas super éveillé, il va vous faire tourner en bourrique un petit moment. Alors je pense que dans les autres tableaux, il va y avoir des éléments en plus, des trucs bizarres. Le jeu va commencer à vraiment vous retourner la tête. Est-ce qu'il est long? J'en sais trop rien. Je crois qu'il n'est pas super long. Mais les énigmes sont quand même assez capillotractées pour certaines. Et du coup, si vous aimez les jeux de pions, parce que moi je trouve que c'est vraiment un jeu de pions, mais vous êtes réellement dedans, c'est un petit peu la VR du jeu d'échiquier, quoi. Je pense que c'est un titre qui peut vous plaire, ce Sojourn. On va s'arrêter ici, parce que je pense que ça va devenir très très long avec moi. Et donc je vais vous laisser les playlists habituelles, comme le veut la coutume, et bien entendu, ce magnifique bouton d'abonnement, regardez-moi ça, qu'il est beau. Je vais le centrer pile sous le... Voilà. À tout bientôt, ciao, pensez à vous abonner, sérieux.